L'astuce, nous sommes mardi. Nous sommes mardi. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux cheveux crépus. Les cheveux crépus. Oui, les cheveux crépus, que comme, ce soit... Comme pour moi, comme exactement. Ça. Voilà. Hommes ou femmes, vous avez les femmes aussi avec la tendance nappy, mais la difficulté, c'est qu'on a parfois des cheveux très durs. Oui. Donc, comment les assouplir, comment récupérer un peu de douceur dans les cheveux? J'ai une astuce. Si vous ne dites pas ça, je vais partager ça avec les téléspectateurs. D'accord. D'accord. Sinon, allez-y. Moi, j'ai des bonnes habitudes, en tout cas, à adopter. La solution, déjà, c'est lorsque on prend nourrir les cheveux, ça commence par là, pour lutter déjà contre la sécheresse, parce que la sécheresse des cheveux fait que cela est dur. Et nourrir, évidemment, les cheveux se fait une à deux fois par mois avec le shampoing, qu'on s'offre un shoot de nutrition avec un bain d'huile. Il y a l'huile de ricin, olive, c'est au choix, les huiles végétales, argan, tout ce que vous voulez. Et vous en faites un shampoing, vous lavez cela une ou deux fois par mois. C'est selon la dureté, je vais dire, des cheveux. Vous pouvez le faire chaque samedi, chaque week-end, c'est comme vous voulez. Et cela apporte aussi de la souplesse aux cheveux, lisse les écailles et apporte surtout de la brillance et de la douceur. Mmh. Vous laissez poser sous une serviette chaude pour optimiser les pénétrations des actifs quelques heures. Hein. Vous pouvez garder cette serviette-là sur la tête toute la nuit. Et cela va adoucir vos cheveux, surtout avec l'huile de coco. Donc, hydrater les cheveux, c'est déjà important. À part ça, il faut rincer au vinaigre. Ça, c'est autre chose. Vous pouvez rincer au vinaigre, c'est-à-dire utiliser du vinaigre que vous allez mélanger à de l'eau. Rincez abondamment vos cheveux dans 1 litre d'eau. Apportez 3 cuillères à soupe de vinaigre. S'en servir également pour shampoing. Laissez reposer quelques minutes et puis rincez à l'eau tiède. Ça, par contre, il faut le faire qu'une fois par mois au risque d'abîmer les cheveux. Vous pouvez également utiliser des beurres, beurre de cacao, si vous voulez, beurre de karité aussi. Ah, voilà, c'est ça. Ça, c'était l'astuce. Oui, c'était mon astuce. Oui, parce voilà, c'est de très bonnes habitudes. C'est ça, moi, j'utilise. Et ça marche, n'est-ce pas? Beurre de karité. Ça marche, n'est-ce pas, Rock? Rapidement, vous voyez mes cheveux. Tout à fait, vous voyez. Non, je ne me paye même plus. Quand je mets le beurre de karité, voilà, je fais comme ça. C'est voilà, beurre de karité, justement, parce que ça a, évidemment, vous le dites si bien, beaucoup plus d'impact, mais le beurre de karité aussi, qui sert à la peau et aux cheveux, vous arrivez à le passer. Là, vous sentez tout de suite que les cheveux, elles sont. C'est plus doux. Ouais. Et voilà, beurre de karité, par contre, vous pouvez le faire chaque jour que vous voulez. Ouais. Beurre de cacao aussi, et vous ne souffrez plus du tout. Voilà les quelques petites astuces. Ça cire bien les cheveux, vous avez l'impression. Voilà un habitué. Non, ça ne coûte rien du tout. Exactement. Vous mettez ça et puis, bon, tranquille. Hein. Vous voyez, c'est ça. Mes cheveux, je n'ai pas têté. D'accord. Pour avoir des cheveux doux, le beurre de karité. Et les autres astuces que vous avez partagées avec nos téléspectateurs. Je vous dis merci beaucoup.